Bienvenue. Dans le cadre de la formation continue des formateurs et des formatrices Graines de Philo, nous avons sollicité les membres du comité scientifique et quelques personnalités de notre réseau pour approfondir certaines notions et élargir notre approche de la pratique de la discussion à visée philosophique avec les enfants et les adolescents. Dans ce cadre, nous présentons la contribution de Jean-Charles Petier. Vous l'aurez compris, il est membre du comité scientifique. Il est également professeur de philosophie à l'IUFM de l'Académie de Créteil. Il est docteur en philosophie, docteur en sciences de l'éducation. Et par ailleurs, il me semble que c'est un des spécialistes de la pratique de la discussion, ou en tout cas des pratiques philosophiques avec les enfants. Il a contribué par ailleurs à l'organisation à plusieurs reprises des rencontres UNESCO des nouvelles pratiques philosophiques. Jean-Charles, merci d'avoir accepté notre sollicitation. À plusieurs reprises, lors de nos échanges, de nos séances de travail au sein du comité scientifique, tu as évoqué l'importance de l'empathie en tant que point d'appui pour le développement de la pensée par l'individu et par le groupe. D'où te vient cet intérêt? Et pourquoi portes-tu cette conviction? Alors, cet intérêt, il se comprend comme souvent les intérêts par un parcours. Hein. Mon parcours professionnel, avant d'être professeur de philosophie, j'ai été enseignant spécialisé. Et dans ce cadre-là, je me suis intéressé au développement de la pensée de l'enfant parce que j'ai été formé au programme d'enrichissement instrumental à l'époque, qui était extrêmement centré donc, sur l'aide au développement et à la construction de la pensée de l'enfant. Il se trouve que mon parcours m'a aussi conduit à faire de la philosophie pour enfants, et à partir de là, les deux se sont finalement croisés, et j'ai utilisé ce que j'avais appris finalement dans le programme d'enrichissement instrumental pour le croiser avec ce souci de permettre à des enfants de faire des pratiques philosophiques ou des pratiques à visée philosophique. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième axe, c'est que je me suis rendu compte en pratiquant ce type de lien qu'en réalité, il y a plusieurs façons, plusieurs types de pratiques qui peuvent être plutôt centrées sur la construction d'un produit philosophique, on va dire, hein, d'une pensée philosophique par un groupe. Mais qui peut être aussi plus ou moins centré sur l'enfant en train d'essayer de construire sa propre pensée dans le groupe. Voilà. Et comme moi, j'avais ce parcours d'enseignant spécialisé, du coup, assez spontanément, la façon dont je l'ai employé, c'est d'essayer à chaque fois qu'un enfant intervient de trouver les outils pour que ce qu'il veut dire ou ce qu'il essaie de construire puisse émerger. Voilà. Alors, on parle d'empathie. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour définir ce qu'est l'empathie? Alors, ce qu'on appelle classiquement l'empathie, c'est le fait de reconnaître, d'identifier et de comprendre les sentiments et les émotions d'autrui. Ça, c'est le sens classique. Et ce sens-là, on l'élargit maintenant dans ce qu'on appelle l'empathie cognitive, hein, c'est-à-dire le fait d'essayer de saisir la pensée de l'autre de l'intérieur, d'identifier, de comprendre ses croyances, la façon dont il raisonne, dont il examine quelque chose. Voilà, et c'est un petit peu les deux, ma façon de penser les choses, parce que je crois que les deux sont connectés, hein, maintenant. On voit bien la connexion entre les émotions et puis la construction du raisonnement. Mais en même temps, voilà. Donc les deux aspects m'intéressent et c'est en ce sens-là que j'en parle. C'est intéressant que tu fasses la distinction entre effectivement l'empathie qui porte davantage sur les émotions et l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, ce n'est pas forcément une approche qui nous est familière. Et pour autant, dans notre pratique, elle est essentielle. Oui, alors elle est tout à fait essentielle. Hein. L'empathie, c'est quelque chose de fondamental. Alors là, c'est pas moi qui le dis. Sans doute que les grands pédagogues s'en sont aperçus depuis longtemps, parce que quand on regarde les grandes pédagogies, on voit des gens qui sont extrêmement centrés sur
ce qu'est un enfant. Mais finalement, la science a bien validé cette idée-là. Hein, on a procédé à ce qu'on appelle des méta-analyses, hein, c'est-à-dire des analyses sur des analyses d'analyses. Ouais. Et donc, pour essayer de voir quels étaient finalement les facteurs fondamentaux qui faisaient qu'un enseignant réussissait, faisait réussir ses élèves, les faisait progresser, etc. Et ce qui se dégage de ces méta-analyses, c'est que le facteur fondamental, c'est l'empathie de l'enseignant, en fait, sa capacité d'empathie. Je l'illustrerai juste par un exemple. Étant formateur d'enseignants, j'ai remarqué que des jeunes enseignants en formation, par exemple, qui étaient empathiques, ça s'apprend l'empathie, mais qui avaient déjà, eux, développé cette capacité d'empathie de façon peut-être spontanée ou, je sais pas, par leur éducation familiale, eh bien, les questions qu'ils se posaient au moment où j'allais les voir dans une classe étaient déjà fondamentalement différentes avec tout de suite la perception du point de vue de l'élève et du coup comment il pouvait réagir par rapport au point de vue de l'élève pour l'aider à progresser. Donc, et cela, je les ai retrouvés des années après, conseiller pédagogique, etc. C'est assez frappant. Hein. Donc, voilà. Donc, l'idée là. Oui, donc, importance cruciale, hein, parce que ça permet d'interroger quelqu'un de ce qui nous est accessible de son intérieur, c'est-à-dire pas à le violer intellectuellement, hein, mais d'être sur la communication. De comprendre comment sa pensée chemine. Voilà, c'est ça. Et lui, l'aider à la faire cheminer, à la réinterroger, à la préciser et se rendre compte qu'il est en train de penser cela en même temps. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Alors, comment peut-on s'en saisir, nous, dans nos pratiques que tu connais, dans les contextes que tu connais, dans les structures, notamment les structures du temps libre, dans nos ateliers que nous pouvons faire dans les temps scolaires et extrascolaires. Est-ce que tu y vois des limites? Est-ce qu'il y aurait un effet, un trop-plein d'empathie qui pourrait à un moment donné nuire aux effets attendus? Alors, bon, sans saisir, je dirais que la première chose, ça serait essayer de se dire qu'est-ce que peut bien penser, qu'est-ce qu'il essaye de me dire, cet enfant qui est en train de parler, et pas penser que je comprends ce qu'il est en train de me dire, que je comprends spontanément ce qu'il est en train de me dire. Moi, je me suis rendu compte qu'un enfant qui pose une question, souvent, si je lui réponds, en fait, je m'aperçois que je peux lui répondre à côté, dès l'instant où je lui dis... je lui demande d'essayer d'expliquer par exemple ce qu'il me demande, d'où ça lui vient, comment ça se fait qu'il a pensé à ça, et je vais me rendre compte qu'en réalité la question qu'il me posait n'était pas ce qu'il voulait dire. Donc si j'y réponds, si je crois y répondre immédiatement, ben, souvent je vais être à côté de ce qu'il cherchait à savoir. Voilà. Hein, donc ça c'est au plus simple. Après, quelles seraient les limites? Y a forcément des limites, c'est-à-dire que si se saisir de l'empathie, c'est se situer du point de vue de l'intérieur du raisonnement de l'enfant. Si j'en reste là, finalement, il n'a pas de raison non plus de progresser. Si j'étais entièrement empathique, à la limite, je pourrais dire, j'aurais cette capacité hyper développée, et je ne crois pas que ce soit possible, hein, mais finalement, je ne saisirais rien qu'en le regardant tout ce qu'il a dans la tête. Or, ce n'est pas du tout le cas. Précisément, ce n'est pas le cas. Je suis susceptible de pouvoir le comprendre, mais en même temps, j'ai besoin qu'il m'explique parce que, en réalité, je ne le comprends pas simplement en le regardant ou sans creuser ce qu'il est en train de chercher à dire. Voilà. Hein. Donc, trop d'empathie tuerait le progrès, tout simplement. Pour moi, oui. Quelqu'un qui serait hyper empathique. On tournerait en rond dans une petite bulle, quoi, de confort. C'est ça, voilà, exactement. On tournerait en rond et du coup. Or, je pense que au Franca, vous êtes dans un acte pédagogique aussi. C'est pas l'école, c'est autre chose, mais ce sont aussi des actes qui font progresser, évoluer des enfants, et heureusement, parce que sinon, ça serait dommage. Et donc,
ce type d'attitude qu'on appelle pédagogique, elle est à développer aussi chez les animateurs, par Bien exemple. sûr. Or, je crois qu'elle peut se développer, parce que c'est ça le point important aussi, c'est que, en même temps, quand on dit l'empathie, c'est ça, c'est la capacité de faire ça, c'est une capacité dont je crois qu'elle s'apprend, hein. Parce que sinon, beaucoup d'entre nous, on n'en serait pas nécessairement capable d'avoir un acte pédagogique. Est-ce qu'on a tous, comme ça, une disposition, même s'il y a quelque chose d'un peu, comment, naturel chez l'être humain, on dit que ça s'appuie des fois sur les neurones miroirs, cette capacité qu'on a de ressentir aussi ce que peut Oui, ressentir l'autre, de l'autre. peu. Bon, voilà. Mais en même temps, je crois que ça se travaille, tout simplement. Et justement, dans la mesure où tu penses que cela se travaille, est-ce que toi, tu as un cadre qui te permet de structurer un peu, en tout cas d'avoir des points de repère, de référence pour construire ou en tout cas pour asseoir cette fonction pédagogique qu'est l'empathie? Alors moi là-dessus, en fait, j'ai pas inventé grand-chose, hein, c'est-à-dire que moi j'ai été formé au programme d'enrichissement instrumental, et ce qu'on nous apprenait à faire en nous aidant à identifier et à construire des critères de médiation, d'expérience d'apprentissage médiatisé, c'est-à-dire des façons dont on peut structurer l'apprentissage de l'enfant, ben en fin de compte c'est là-dessus que je me suis appuyé. En l'ayant plus ou moins automatisé, à force de l'employer, pour finalement m'en servir dans ma pratique quotidienne. Alors, donc j'ai des critères d'expérience d'apprentissage médiatisé que je peux citer, hein, qui sont non pas mon œuvre, mais celle de Reuven Feierstein, et qui s'est appuyée sur les travaux de Lev Semyonovitch Vygotsky et Jérôme Brunner. Hein. Donc, bon, voilà, des grandes références de la psychologie. L'apprentissage. Alors, ces critères, en général, on considère qu'il y en a 12, donc je ne sais pas si j'ai le temps de les décrire en Oui, une phrase ou. tu as le temps et puis après tu peux peut-être mettre l'accent sur ceux qui te semblent être en phase avec nos pratiques, le contexte dans lequel on les met en œuvre, ce que nous sommes, les Francas. D'accord, ok. Alors, bon. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, hein, c'est-à-dire le fait de saisir quelles sont nos intentions quand on fait quelque chose, de les identifier, donc d'être toujours, non pas sur simplement l'instant présent, mais aussi de le projeter en se disant qu'est-ce qu'on cherche à faire en ce moment, et je remarque que très souvent dans les classes et dans plein d'autres milieux, en fait, on fait des tas de choses avec les enfants sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'on était en train de chercher à faire. Je trouve que c'est un petit peu dommage, je trouve qu'on les prend un petit peu pour des gens bêtes, hein, alors que c'est dommage de pas les amener à réfléchir à ça. Le deuxième, c'est la transcendance, c'est-à-dire le fait que ce à quoi on est en train de réfléchir, on élargit la réflexion à d'autres moments, lieux, etc., où on a le même type de réflexion. Hein, on peut avoir le même type de réflexion. Ça, c'est pour ne pas localiser les choses. Juste à l'instant où on est en train de les faire. Et l'intelligence, elle a besoin d'élargir et se dire, mais cette chose-là qu'on est en train de faire, oui, c'est vrai qu'on l'utilise aussi dans telle et telle situation. Le troisième, c'est la signification, c'est-à-dire exprimer verbalement tous les implicites culturels qu'il y a derrière les systèmes éthiques, les systèmes culturels qu'il y a derrière ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire rendre explicite ce qui était implicite. Quand on va dire à un enfant, je sais pas, c'est bien, c'est intéressant, mais de quel point de vue, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pourquoi on dit dans telle situation que c'est intéressant? Hein? De la même façon, quand on forme des animateurs, hein, leur dire, ce que tu vois, ce que tu as fait, c'était bien. Ok, mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans sa fonction d'animateur qui faisait que là, il y a quelque chose de fondamental? Bon, voilà. Hein? Le quatrième, c'est la médiation du sentiment de compétence. Donc, identifier comment les compétences que l'on a quand on est en train de faire quelque chose. Donc, pas simplement le faire, mais avoir un discours sur ce qu'on est en train de faire pour identifier finalement cette compétence, sachant que du coup, le sentiment de compétence sera d'autant plus fort que je me rends compte que j'ai des compétences. Il y a une espèce de Bien sûr, spirale. de spirale qui va vers le haut. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment et qui me donne confiance, et qui me donne confiance, qui est extrêmement important
dans le fait qu'on se lance, par exemple, dans des échanges avec des enfants, qui se rendent compte qu'en fait, quand ils font leur, j'allais dire leurs petites hypothèses, c'est pas, elles sont pas petites, mais qui se risquent à faire, à se mettre en danger pour dire, pour se découvrir et se dire, ben finalement, ah ben voilà, mais je suis compétent, je suis pas un andouille. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir du coup s'appuyer sur ces compétences-là pour les développer. C'est parce que j'ai des compétences que je développe des compétences. J'en développe de moi. Voilà. Bon, la régulation et le contrôle du comportement, c'est-à-dire le fait de, d'être capable de, face à des difficultés, de raisonner, de mesurer, me poser, me réguler, reprendre mes points de repère. Bah, là, pour des animateurs qui emmènent des enfants parfois dans la forêt, mais qui les laissent pas tout seuls dans la forêt, mais qui leur apprennent aussi à se repérer, avoir des points de repère, c'est fondamental. C'est là où j'ai plus peur, où je peux. Ben, c'est exactement pareil pour la pensée. Quand je retrouve des points de repère, d'un seul coup, j'arrive à réfléchir plus posément et j'arrête d'être terrorisé par le fait que je suis en train de faire des choses nouvelles et que j'ai peur de rater. Voilà. Bon, le comportement de partage, ça c'est le fait que je permets à un enfant de comprendre que je peux comprendre ce qu'il a à m'expliquer parce que je peux moi-même vivre des situations où j'ai le même genre de difficulté que lui. C'est-à-dire finalement, c'est pas se rabaisser, c'est s'humaniser, de dire. Or, l'animateur, par exemple, c'est toujours quelqu'un qui, quand il fait faire quelque chose à des enfants, en général, sait le faire. Et donc, l'enfant peut avoir l'impression que lui, il a su tout seul, et puis que, par contre, l'enfant lui-même, il sait pas, donc il est un peu un nul. Quoi. Et de se rendre compte qu'en fait, non, c'est humain, et je peux donc comprendre certaines de tes difficultés parce que j'ai pu les avoir, ou je peux en avoir et certaines. Et je suis encore, moi, apprenti de quelque chose. C'est ça, voilà. Ouais, ça c'est vraiment très important. La suivante, c'est l'individuation, c'est-à-dire la différenciation, dit individuation, différenciation, c'est le fait de permettre à un individu de saisir qu'il est quelqu'un de très particulier, qu'il a des modes de raisonnement qui lui sont particuliers, qu'il est quelqu'un d'original et donc d'intéressant. Parce que si je pense que je suis exactement comme tous les autres, après tout, quel intérêt je présente ? Ce qui est intéressant dans les métiers de l'humain comme l'animation ou l'enseignement, c'est précisément que les enfants sont originaux. Et je dirais presque, moi étant du spécialisé, c'est ceux qui nous sont les plus compliqués que finalement on préfère parce que c'est là où il y a vraiment des enjeux intéressants de se dire celui-là, oh là là, et souvent c'est des enfants très riches aussi, voilà, difficiles mais riches. Bon, la suivante, c'est la médiation de recherche du but, de planification, c'est-à-dire identifier, donner du sens à l'activité, mais cette fois-ci en tant qu'elle se construit concrètement à travers des étapes pour faire ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, on cherche à faire ça, donc on va faire ça, donc il faut avoir fait ça, donc il fallait avoir fait ça avant, donc maintenant il faut qu'on fasse ça. Voilà, ça c'est fondamental. La neuvième, c'est la médiation du défi, du challenge. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles on apprend, c'est que c'est pas donné d'avance. En fait, c'est ça. Faut pas laisser croire à des enfants qu'une chose elle est facile. Non, si c'est facile, tout le monde sait le faire. C'est pas marrant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas facile, mais qu'on va y arriver. Voilà. C'est là où j'ai envie de faire des choses. Et je pense que là, les enfants sont pas tous égaux dans cette capacité de relever le défi. Certains peuvent avoir la trouille, hein, tout simplement d'oser se lancer des défis. Ils ont perdu la confiance en eux-mêmes, ou ils ne l'avaient pas au départ, j'en sais rien, mais enfin, ils ne l'ont pas, toujours est-il. Et ce n'est pas en leur disant « ça, c'est facile, donc tu vas y arriver » qu'on les rassure. Évidemment, si c'est facile, tout le monde y arrive. Mais s'ils n'y arrivent pas, c'est que vraiment, je suis nul. Quoi. Si je suis... Voilà. Donc les trois dernières pour pas mal aussi à ce qu'on appelle par ailleurs en psychologie les questions de la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité qu'un individu a affronté des problèmes. Et je ralentis un petit peu mon rythme. Oui, parce qu'il y a des petites micro-coupures. La capacité d'un individu à affronter des problèmes et à en sortir plus fort. Voilà, résilience.
Alors, la dixième médiation, c'est celle de la modifiabilité humaine. C'est-à-dire faire prendre conscience à un enfant que les choses peuvent changer, que les choses sont modifiables, qu'on n'a pas un destin arrêté une fois pour toutes. Ça, dans une éducation, c'est fondamental, parce que si je pense que je suis soumis à un destin, de toute façon, quoi que je fasse, j'y pourrais rien. Donc, ben, finalement, je ne fais rien. Je ne fais rien, et quelque part, ça me donne une bonne excuse pour ne rien faire aussi. Donc c'est une solution de facilité aussi. C'est désespérant et facilitateur, on va dire. La onzième, c'est la vision optimiste du monde. Donc, ce n'est pas au sens de « le monde est beau, le monde est merveilleux », etc. Mais c'est aussi au sens de « si je fais quelque chose, c'est parce que je pense que le fruit de mon action va produire quelque chose de meilleur que si je ne le faisais pas. » Si j'ai un jour un étudiant qui me dit « à chaque fois que je fais quelque chose, c'est encore pire que si je ne l'avais pas fait », je vais très vite appeler mes responsables en disant « j'ai une grosse crainte sur cet étudiant parce qu'il est dans une phase dépressive ». C'est quelqu'un qui se déprécie, pour le coup aussi, et qui, du coup, va arrêter d'agir. Quand je pense que quoi que je fasse, ça empire les choses, j'arrête d'agir. Et là, c'est la fin de l'action humaine, tout simplement. Oui. C'est la fin de ce qu'on fait avec des enfants. Voilà. Et puis, la dernière, c'est le sentiment d'appartenance à l'espèce humaine. Ça paraît très vague et très... Moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Alors là, c'est vraiment fondamental, c'est à la fois hyper abstrait et hyper concret. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à l'espèce humaine, c'est par exemple, si je forme des animateurs, de savoir qu'on ne devient pas un hyper super animateur la première fois qu'on fait une animation. Ben non, parce qu'un être humain, la première fois qu'il fait quelque chose, ben souvent c'est compliqué. Ça ne produit pas l'effet attendu. Voilà, c'est être humain que de ne pas y arriver tout de suite. Voilà, c'est ça, ça peut être ça le sentiment d'appartenance à l'espèce humaine. C'est un peu normal, c'est ça rien, je ne suis pas un nul, je suis un humain. Et un humain, ça n'y arrive pas tout de suite. Voilà. Bon, donc, voilà toutes ces dimensions que j'ai essayé un peu de traduire aussi pour vous. Oui, en les illustrant, oui, c'était très, très riche. Je pense qu'il y a, là dans ces... Dans ces 12 points que tu évoques, une grande richesse, une grande ressource qui renvoie à beaucoup de choses que nous avons déjà travaillées, mais au-delà de la pratique des discussions à visée philosophique sur le rôle de l'adulte, sur le rôle de l'adulte éducateur, vraiment. Donc, je crois qu'il y a vraiment matière là, en tout cas pour des animateurs, pour des formateurs, à réfléchir sur leur rôle d'éducateur. Et puis, il y a aussi sans doute des choses à croiser avec la manière dont on structure un peu la pratique entre problématiser, argumenter, contextualiser, conceptualiser. Voilà, on a la matière à croiser ces 12 points avec ces phases, là. En tout cas, voilà, alors, peut-être as-tu une forme de conclusion, d'invitation à la réflexion à nous livrer avant que nous passions à la clôture de ce moment ensemble. Oui. Alors moi, de la même façon que ce que je vais dire, je le dis aussi pour les processus de pensée, conceptualiser, argumenter, problématiser ou interpréter, je le dis aussi pour ce type de choses-là. Je crois que précisément parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas capable de saisir et d'opérationnaliser tout ça tout de suite, immédiatement, et voilà. Donc il faut savoir se donner des étapes. Moi, par exemple, sur les processus de pensée, je dis... moi, j'ai plutôt tendance à privilégier d'abord le problématiser, mais je sais que Michel Tozzi a tendance à privilégier le conceptualiser. Bon, voilà, il se donne, voilà, hein, parce qu'il n'a pas très bien compris ce qu'était le philosopher aussi, Michel Tozzi. Bon, et puis, et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans les médiations, bien sûr, il y en a 12, il faudrait que je sois capable tout de suite de tout exploiter. De toutes les mettre en action. Il faut peut-être se dire, je vais déjà apprendre en ayant en tête une ou deux. Et dans mes interactions avec les enfants, elle aura peut-être pas toute la richesse possible, mon interaction, mais elle sera déjà plus riche. Tiens, celle-ci, j'ai tendance à très peu l'exploiter. Je vais essayer de m'habituer à l'exploiter plus systématiquement pour que ça devienne un automatisme de pensée aussi et d'enrichissement. Voilà. Il faut savoir rester
modeste et humain et se dire prenons le temps de l'apprentissage. Voilà, il faut un jour, et je finirai là-dessus, mon inspecteur du spécialisé qui s'appelait Monsieur Cousin, qui était très connu dans le spécialisé, et très brillant et tout ça, est venu me voir et c'était ma première visite de mon inspecteur. Et il m'a dit à la fin, vous savez, Monsieur Petit, vous travaillez dur, bon, eh bien, en travaillant si dur que ça, d'ici 3-4 ans, ça devrait devenir quelque chose de pas mal. Acceptez le temps. Il avait raison. Acceptez le temps. Voilà, accepter le temps. Je crois qu'il faut accepter le temps. Le temps long, oui, mais on le dit, nous aussi, l'éducation et tout ce qu'on cherche à promouvoir concernant l'éducation des enfants nécessite un temps long. Et en cela, on voit bien qu'on est un peu à contre-courant quand même. Ben oui, il faut accepter. Très bien, ben merci beaucoup Jean-Charles. À très bientôt pour poursuivre tous ces riches échanges. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.